Salut les petits loups. Et ben voilà, c'est parti, c'est vendredi, c'est pas ravioli, mais c'est la première séance d'escalade. Alors, deux temps dans la séance. Un premier temps, vous allez apprendre le nœud en 8. Et le double nœud en 8. Un deuxième temps, vous allez apprendre les gestes de base de l'escalade au grimpé d'arbre. Aujourd'hui, vous avez vu, on est tous réunis. Monsieur Boulet. Madame Salomon. Et derrière la caméra, Monsieur Grave. Allez, c'est parti. Voilà le programme de l'après-midi. Alors les petits, équipés de mon baudrier, nous allons apprendre à nous encorder. Pour cela, il faut d'abord savoir faire le nœud de 8. Première chose, prendre suffisamment de corde. On mesure une épaule et on va jusqu'à l'autre épaule. Une fois qu'on a la bonne mesure, nous avons une technique. La technique du 3D. Premier dé, le brin de corde passe devant. Deuxième dé, le brin de corde passe derrière. Troisième dé, le brin de corde passe dedans. Tada! Nous avons un nœud de 8. Méthode de 3D, c'est à toi de jouer. C'est un peu long, une épaule suffit. C'est mieux. Compétence rouge, c'est raté, c'est un zéro. Je peux recommencer? Oui, bien sûr. Alors, fais ça. Tada! Compétence vert, je dirais même. Yeah! Alors, une fois que tu as le premier nœud en 8, il va falloir que tu t'encordes. Donc tu prends le bout de corde, tu rentres dans ton baudrier. Alors, on a été un peu pris de court, on n'a pas les baudriers que vous aurez vous. Ça, c'est mon baudrier d'enseignant, c'est pas tout à fait le même, mais bon, c'est pas grave. On t'expliquera ça quand on reviendra au collège. Tu rentres la corde dans le ponté. Tu amènes le 8 le plus près possible du ponté. Le ponté, c'est ça. Ça ressemble à un petit pont, ponté. Et maintenant, regarde. Ça, c'est la voiture. Ça, c'est le circuit. La voiture suit le circuit à partir de là. Et c'est parti. Elle passe là, elle passe là. Elle ressort. Et là, la voiture est là. Elle passe dessous. Elle ressort, hop, elle passe derrière, elle re-rentre là, et tu as le fameux double 8. Double 8 qu'on voit bien, et il est réussi quand il a après au moins une vingtaine de centimètres derrière qui ressort, derrière le 8. Une vingtaine de centimètres, c'est ton carnet de correspondance à peu près. Voilà, et maintenant, c'est à toi. J'ai mon 8, je le passe donc dans le ponté, petit pont, la boucle de devant mon baudrier. Je rapproche le nœud proche du ponté et avec mon morceau de corde, je vais suivre le circuit. Ça commence par un tunnel. Après un tunnel, j'ai un virage. Après le virage, j'ai à nouveau un tunnel. À la sortie du tunnel, j'ai encore un virage. Et je termine par un dernier tunnel. Je serre le tout et nous avons bien un double 8 avec deux cordes ici, deux cordes là, deux cordes là et deux cordes là. Et suffisamment de cordes pour que le nœud ne se défasse pas. Compétence vert plus! Donc c'est réussi. Tu n'as pas de cordes à la maison? Une solution? Tes chaussures. Ton lacet fera l'affaire. À toi de jouer! Alors, deuxième partie de la séance.
après le travail du matériel et de la sécurité, on va parler un peu motricité. L'escalade, c'est simple. Tu lèves les bras, tu tires, tu pousses avec les jambes. Tu tires avec les bras, tu pousses avec les jambes. Tu es prêt ? Changement de pied sur la prise. Tac. Eh bien les petits loups, je crois qu'on a bien travaillé quand même là. Hein, vous avez pas mal d'exercices à faire pour être prêt pour la semaine prochaine. Donc le nœud en 8, le double nœud en 8, les gestes simples en escalade. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut les petits loups. Ciao les petits loups. Alors, on n'oublie pas, hein, pour éviter de propager ce méchant virus, les gestes barrières. Hein, on se lave les mains avec du savon, de l'eau ou bien du gel hydroalcoolique antibactérien. Allez. Donc, on a manipulé du matériel. Qu'on a manipulé tous les deux. Donc, peut-être qu'on s'est transmis du virus, on ne sait pas. Et entre les doigts. Tac, tac, les poignets, les ongles. Elle est bien fraîche, l'eau. Oh. Ah, elle est bien fraîche. Tu veux un pastis? Je crois que c'est l'heure.